Peut-être on va commencer par là. Oui, bonjour, on va vous demander de bien rester assis, de ne pas circuler dans les tribunes. S'il vous plaît, merci. On va remettre les médailles et on vous demande de bien rester assis, s'il vous plaît, pour le moment. Merci. Ah oui, comment ça va? Ça c'est le jeune du quartier, il fait plein de choses la jeune pour nous. Et c'est lui qui m'avait dit là-bas quand il sera à Ekaterinbourg, qu'il pourrait rester avec Greg, ce serait top. Très content. Alors regarde, on va commencer par là. Donc ça c'est le truc un peu. Les enfants, vous bougez pas, vous restez bien debout. Alors on démarre. Merci. On démarre cette cérémonie avec l'inauguration officielle du Blaise City en prévalence de Blaise Matuidi, champion du monde de football 2018. Allez, plus fort s'il vous plaît pour accueillir M. Blaise Matuidi. Merci. On peut se lancer de la rénovation. On laisse peut-être passer les journalistes, allez-vous. Il y a tous les bénévoles du quartier qui sont là pour accueillir. Les enfants, faites du bruit pour Matuidi. Bienvenue, Blaise. Champion du monde. Du bruit. Un plaisir de vous voir jouer également. C'est notre référent de quartier qui fait plein de choses également. Qui a notamment participé à la Palme d'Or à Cannes il y a quelques années. Par les gens du quartier. Voilà, on entend encore parler. Bien. Allez, c'est un petit passage, s'il vous plaît. Bonjour, ça va? Bienvenue. Il faut essayer quel journaliste du Parisien. Ça va, Yves? Ça va. Ah, voilà. Merci. Bonjour Blaise. Ah, c'est top. Merci Blaise. Du terrain. Il va bien.
rester sur les gradins. Merci. Allez, les journalistes, tous les journalistes de l'autre côté là. Allez, on sort du terrain. Les journalistes, on sort du terrain. S'il vous plaît, les journalistes, on sort du terrain. Merci. Ça va ? Alors, on va se mettre en place pour. Vous êtes les jumeaux ? On a les jeunes, les gars ? Alors, ouais, les jeunes, venez. Remettez tous comme tout à l'heure. Allez, mettez-vous derrière. On se met derrière, merci. On peut mettre à l'heure en place. Vas-y, oui. Alors, on va laisser juste les amis journalistes avec quelques photos, puis ensuite on va avec Blaise donner évidemment quelques mots et la joie d'accueillir notre nouveau champion du monde ici à Poissy, au quartier La Coudraine. Donc on laisse les journalistes faire quelques images, quelques photos, puis ensuite je vous proposerai, s'il vous plaît, de vous écarter un tout petit peu. Merci. La presse, on se décale. Les journalistes, allez. Voilà, pour le public. Ouais. Mettez-vous en face, les enfants, mettez-vous en face. Yayo, écarte. Mettez tous en face, écarte. Alors, on va libérer, s'il vous plaît, le terrain. Juste quelques instants. Alors, les amis, d'abord, cher Blaise, je veux vous dire l'immense joie de la ville de Poissy, de tous ses habitants, ici des jeunes. Ici, Blaise, vous êtes dans un quartier historique de la ville de Poissy, où nous sommes un certain nombre à y être nés, je vous le disais tout à l'heure, juste derrière. Ici, on est sur un quartier exemplaire de rénovation urbaine, et des fêtes en concertation avec les habitants, avec les aménageurs, Grand Paris Aménagement, avec les promoteurs, évidemment, avec la région Île-de-France et le département des Yvelines. Je voudrais juste vous dire, chers amis, lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, j'ai eu la chance, dans le cadre de mes fonctions, de rencontrer Blaise après le match France-Pérou. À la fin du match France-Pérou, moi j'avais pour charge d'accompagner les joueurs auprès des journalistes dans les studios. L'équipe de France, rappelez-vous, on était le 21 juin, venait de gagner 1-0. Et donc j'ai accompagné Blaise dans le studio de TF1. Et en saluant Blaise, la première chose que Blaise m'a dit, c'est de dire vraiment à Poissy, vous avez réalisé une sacrée belle opération en accueillant le futur centre du Paris Saint-Germain. Ça, c'est tout simplement Blaise Matuidi. On aurait pu parler du match, c'était formidable pour les Bleus d'avoir gagné contre le Pérou parce qu'on était d'ores et déjà qualifiés pour le deuxième tour. Mais Blaise, il n'oublie absolument pas d'où il vient. Et puis ensuite, j'ai eu un échange avec Blaise. Et j'ai dit à Blaise, et d'ailleurs c'était sur une petite suggestion d'Emra, qui doit être là, voilà, Emra Oral, avec Ingin et tous les copains d'ici de la Coudraye, pour dire ce serait bien qu'on puisse inaugurer le City Stadium au nom de Blaise. J'ai envoyé un message à Blaise, et Blaise dans la minute m'a dit, c'est une très belle idée, le jour où je pourrais me libérer, eh bien je serai là. Et aujourd'hui, Blaise Matuidi est à Poissy. Bravo. Est-ce que vous pouvez juste vous écarter que le public puisse voir également ? Je passe la parole à Blaise. Bien, tout d'abord, monsieur le maire, merci. Merci pour votre invitation. Merci pour ce que vous faites pour cette ville de Poissy. Je pense que c'est une très belle ville. Moi, j'habite pas très loin, donc j'ai pu voir au quotidien lorsque je vivais ici avant d'être transféré à Turin, tout ce qui s'est déroulé. Donc voilà, c'est beaucoup de plaisir et surtout par rapport à tous ces petits jeunes, je pense que voilà, il y a l'avenir ici et je pense que
encore de plein de bonnes choses. Vous avez le droit de rêver aussi, les jeunes. Comme moi, j'ai pu rêver quand j'avais votre âge. Moi aussi, je suis ici de quartier, donc j'ai pu aussi, à travers des terrains comme ceci, croire en mes rêves. Et voilà, faut croire en vos rêves et surtout, n'oubliez pas l'école, parce que l'école, c'est très important. Voilà, et en tout cas, je suis très content. C'est vrai que j'ai un calendrier assez chargé. Voilà, hier on a joué. Et donc demain, je repars en équipe de France. On a gagné la Coupe du Monde, mais c'est pas une fin en soi. Il y a encore d'autres objectifs. Donc voilà, ça ne s'arrête jamais. Mais pour ce jour de repos, c'était avec grand plaisir. Et je vous dis un grand merci. C'est un honneur pour moi d'avoir justement mon prénom et mon nom présenté ce beau City Stade, ce qui est vraiment beau. Merci en tout cas. Merci Ben. Ce que Ben ne dit pas, c'est qu'hier soir, il était du côté de Parme avec la Juventus de Turin. D'ailleurs, c'est notre copain Philippe Jeunin qui est ici présent qui commentait. Et que Blaise a inscrit le deuxième but de l'équipe de la Juventus de Turin, ce qui a permis à Turin d'emporter. Donc on a pu être d'accord. Alors Blaise, on a quelques surprises. On se décale. Et vous allez pouvoir vous décaler les enfants, s'il vous plaît. Écartez-vous. Attendez. On a quelques surprises pour Blaise. Écartez-vous, s'il vous plaît. Et après, il y aura une séquence avec vous, les enfants. Voilà. Donc Blaise, on a décidé... avec les collègues élus que je salue qui sont ici présents au grand complet. Voilà, on peut faire un coucou à Blaise, les élus de la ville de Poissy. On a décidé évidemment de donner un nom à ce City Stars, et comme vous le savez Blaise, on a décidé d'appeler ce City Stars le Best City. Je vais vous proposer de découvrir maintenant la fiche officielle qui restera ici et qui permettra d'avoir une entrée à la ville. Ici, un peu ici. Elle est belle cette affiche. Hein. Alors, on a une autre surprise. Est-ce qu'on peut faire un tout petit peu de place, s'il vous plaît? Parce que je pense que ça... Vous pouvez faire une petite... Faites une petite E.R. juste en direction de l'entrée. Tout le monde recule un peu, recule. Juste une petite E.R. en direction de l'entrée. Reculez. Bougez pas, attendez. Dorian, s'il te plaît. Attends. Les amis, il se trouve que Blaise, avant la Coupe du Monde, avait lancé un pari un peu fou en disant si jamais on remporte la Coupe du Monde, moi je ferai un pari Turin à vélo. Mon cher Blaise, la ville de Poissy est une ville très sportive. La ville de Poissy a certainement l'un des clubs de triathlon les plus performants du monde. Et on a eu la chance cet été, et bien l'équipe de France a remporté le championnat d'Europe de triathlon en volley mixte. Et sur les quatre sélectionnés français, il y avait trois pensionnaires de Poissy Triathlon. On a une pensée pour le président de Poissy Triathlon qui nous écoute certainement depuis son lit d'hôpital. Et il se trouve que le champion du monde de triathlon est présent aujourd'hui, mon cher Blaise. Il est de Poissy et il a décidé de vous offrir son vélo. Je vous demande d'applaudir monsieur Dorian Coninck. Dorian Coninck. Du coup voilà. Merci, pour toi aussi. Hein. Ça va bien, ça va bien. Alors je vais passer la parole à Dorian pour qu'il nous explique. Dorian, tu peux nous expliquer s'il en est. Puis on va applaudir très fort Dorian Coninck de Poissy Triathlon pour son titre de champion du monde et champion d'Europe cet été, hein, évidemment. Bravo Dorian. Merci beaucoup, ça me fait plaisir de rencontrer une star comme ça. J'ai suivi ça à la télé, c'est vraiment fantastique. Et donc voilà, a priori, un pari honoré. Donc
Il n'y a plus qu'à faire. Bien équipé, hein, ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on peut applaudir, s'il vous plaît, Dorian Connac avec Blaise Matuidi. Le vélo de compétition qui est offert à Blaise pour remporter son pari. C'est que le vélo, vous aimez ça, Blaise? Oui, mais bon, ça va être compliqué, mais là, franchement, c'est un super cadeau. Donc, c'est complet, magnifique. Alors, je crois que Blaise n'est pas venu les mains vides pour le quartier. Et je vais céder la parole à Blaise pour nous dire. Voilà, je crois qu'il y a une petite surprise à nouveau. Oui, c'est vrai que j'ai eu pas mal de surprises. Hein, Merci Blaise. Merci à vous. Alors ce maillot, merci beaucoup Blaise, maillot dédicacé de Blaise Matuidi, l'équipe de France, avec les deux étoiles. Ce maillot, il n'est pas pour moi. Ce maillot, on va l'offrir à Siriki, qui est l'un des responsables des animations du quartier. Siriki va me rejoindre, on va le rejoindre. Et j'aimerais que ce maillot, on puisse l'encadrer et qu'il reste à jamais au quartier pour rendre honneur à notre champion du monde. Et si on faisait une petite Marseillaise maintenant, tous ensemble? Allons le pont de la Bastille, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Allons dans la campagne, jugez ces féroces. Aux armes citoyens, formés aux bataillons, marchons, marchons, un sang impur, bravo. Alors, il y a un petit gâteau avant que Blaise nous fasse quelques signatures. Salut le public. Je crois qu'il y a un gâteau qui est prévu, il arrive.